Latitude 91. Latitude 91. Ouais. On vous a prêté un local. C'est ça. Hein, en 2010, qui est à côté de l'hôtel de ville. Exact. C'est un centre-ville. C'est une cave sur le sous-sol de la poste. Hein, et actuellement, il y a un gros projet dessus avec le maire Martine Carto, c'est ça? Voilà, la nouvelle maire. En fait, nous avons eu le local avant, oui. Avant, on l'avait eu avant avec l'ancien maire. Et donc une convention d'exploitation comme n'importe quelle salle associative de ce style. Et donc il y a eu une mise en sécurité de la part de la commune, bien sûr. Et on a commencé l'exploitation et on a vu passer plus de 1500 personnes, une cinquantaine d'événements par an, des concerts, bien... Une très bonne ambiance conviviale, jamais aucun problème, jamais la police ni rien. Bon, maintenant faut dire aussi, ils veulent construire un relais d'assistance maternelle dans une grotte. C'est étonnant. Pourquoi? C'est étonnant. Ben, je ne sais pas pourquoi. Je crois que ce n'est pas le véritable argument. C'est pas pour accueillir des enfants, j'imagine, parce qu'on met pas des gosses dans une grotte. Il faut de la lumière, il faut du espace. Sinon, les pauvres gamins s'intriguent, comment ils sont traités. Surtout qu'il y a des problèmes d'humidité, ça doit faire des travaux monstres. Ouais. Donc, c'est quand même assez étonnant qu'ils tolèrent des choses comme ça, parce que la plupart des grottes sont souvent soumises à des réglementations très strictes, parce que l'air ambiant et les gens qui viennent visiter souvent salissent là il s'agit, en fait c'est une cave, une très vieille cave hein, début du 20e siècle et que elle a été rehaussée mais approfondie, donc on a une très bonne hauteur des plafonds et une très bonne acoustique, c'est pour ça qu'on l'a découvert, on s'est dit bon là on s'est servi de faire une petite scène. La capacité d'accueil, elle est très petite. La jauge, elle est de 20 personnes maximum. C'est plus petit que ce studio-là. Dis-moi franchement, peut-être que le maire, il veut faire sa cave de 20 à 20, peut-être. C'est ça son ambition. Parce qu'il est à deux pas de l'hôtel de ville, donc pour chercher une bouteille, il a pas longtemps. Ça va être frais, là. En tout cas, l'argument d'établir un RAM, un relais assistant maternel à cet endroit, est vraiment... Ce n'est pas un véritable argument, je pense. Et je pense qu'il y a une autre idée derrière qu'on va découvrir plus tard. Donc en fait, moi, c'était mon gros coup de gueule parce que... Non, mais c'est fini la rubrique. Je voulais enchaîner un petit peu là-dessus parce qu'il faut savoir à l'origine de Lascaux ce que c'est aussi. C'est la rencontre entre quatre artistes, un collectif d'artistes. Il faut pas oublier. Et il y a toujours cet esprit parce qu'il y a quand même, parmi le collectif, il y a Nicolas Simonin qui est réalisateur aux États-Unis. Chacun a fait son chemin et on est toujours... rester dans cet esprit. Il y a Kélian aussi que je pense. José Aguero, dis-moi, on vous a fait une proposition pour une salle là. On vous a proposé une salle, la salle Corot là. Et... On vous a fait une proposition d'une autre salle, non? C'est pas pareil d'avoir l'exclusivité d'un lieu. La salle Corot, c'est une salle communale avec 300 places. Nous ne sommes pas des professionnels de l'événementiel pour investir un lieu comme ça. En plus, on n'aurait jamais l'exclusivité. Donc, le fait d'avoir l'exclusivité de la grotte, c'est parce que nous l'avons monté. C'est nous qui avons installé les toilettes. On a fait les premiers travaux, les premiers investissements. C'est nous qui l'avons fait. Le maire ancien qui était le maire sortant, il nous avait financé la mise en sécurité, mais nous avions déjà fait une bonne mise de départ. Et donc, quelque part, on considère qu'on a le droit de en plus, ce n'est pas une question de droit. S'ils veulent plus de nous, c'est pas grave, on s'en va, mais nous avons valorisé le patrimoine communal. Nous l'avons mis en état. Nous avons ouvert ça à la population avec une offre culturelle de proximité. On n'a plus besoin d'aller à Paris pour écouter un concert de jazz. On a une très bonne réputation en ce qui concerne le jazz et le swing. On a de très très bons musiciens qui fréquentent le lieu. Et on a même reçu des invités de différentes parties du monde, non, de musiciens britanniques, américains, indiens... Et argentin, on est dans un réseau
d'artistes voyageurs. Donc on leur propose un hébergement, un concert, un enregistrement en HD et énormément de possibilités pour donner un concert de qualité. Et c'est ça qui plaît au public, parce que le public, avec un public de 25 personnes, le public se sent privilégié d'écouter des artistes aussi près. Et l'artiste se sent aussi privilégié d'avoir un public aussi petit. Et nous, les organisateurs, nous ne sommes pas débordés et on peut gérer ça de façon très conviviale. Il faut préciser aussi qu'il y a un repas, il y a toujours un thème. Enfin, c'est très convivial comme c'est ça, c'est en fait, cet esprit-là. Localement, en fait, ce que je veux dire, que si après vous fermez ce local, si vous vous retrouvez dans une salle de 300 places, il n'y aura plus cet esprit de convivialité. Oui, ça nous intéresse pas de faire ça. Non. C'est-à-dire que le lieu vaut ce qu'il est, quoi. Et c'est une, c'est un lieu très chaleureux, apprécié par. Je pense que la plupart des Centriens qui les connaissent savent. Ce que c'est, et que même aujourd'hui nous avons un volet pédagogique, et tous les mardis après-midi et tous les jeudis après-midi de 16h à 18h on reçoit les enfants pour faire des activités on va dire un peu périscolaires, parce que on va les récupérer à la sortie de l'école, on les amène qui vient à la en soutien grotte. Aussi à la réforme périscolaire, et il faut bien préciser vous aussi participez, que... c'est ça, à la réforme. Non, il faut bien on participe pas non. Officiellement, c'est une proposition que nous avons créée pour faciliter la vie des parents. Mais le périscolaire, ça appartient à la mairie, c'est la responsabilité de la mairie. Donc ils vous ont donné le feu vert. Des parents. Non, personne nous a donné le feu vert. Parmi nos activités, nous avons proposé une activité payante, évidemment, parce que nous ne sommes pas financés par aucune et institution. Donc un parent peut inscrire son enfant pendant un mois, et à ce moment-là l'animateur de la grotte va aller chercher l'enfant à l'école, il l'amène à la grotte, on fait une activité artistique et de 2 heures avec un goûter, et ça facilite la vie des parents, surtout que même si la réforme a été mise en place, les changements de rythme au niveau des bureaux, ça n'a pas changé aussi. Ça fait que le môme, il reste à l'école ou au périscolaire beaucoup plus de temps qu'avant. Mais la mère veut pas que ça disparaisse, l'association, le school. La mairesse. Ça, peu importe. Hein, elle veut que c'est... De toute façon, et est-ce que toi, tu as envie que ça disparaisse, toi, peu importe. Ce n'est pas une question de faire disparaître ou pas une association. Nous, bien sûr, c'est la grotte Saint-Prix, en fait. C'est un lieu mythique. Nos activités, elles s'arrêteront, ou bien elles nous trouveront un lieu pour qu'on puisse développer nos activités. Mais si vous prenez les concerts. Mais est-ce qu'il y a un dialogue? Est-ce qu'il y a un dialogue qui est instauré? Est-ce qu'il y a des rencontres? Non, il n'y a jamais eu un véritable dialogue. Même si on a fait des rencontres, on est très déçus de ce qu'on a pu entendre. Des échanges à chaque fois. Il n'y a pas vraiment une volonté. Pas d'engagement, en fait. En tout cas, ils n'ont jamais lu notre bilan. Notre bilan, vous pouvez le télécharger sur Internet, sur notre site, lasco.com, et lasco sans X, C-A-U à la fin. Et vous pouvez lire 15 pages d'un bilan qui ressemble au bilan d'une institution culturelle bien établi, alors que nous faisons ça avec la force de notre engagement. On est tous bénévoles et ça. Et puis c'est vraiment intergénérationnel. C'est vraiment intergénérationnel. Il y a tous les âges du monde entier. C'est culturel. Ça crée un lien social. Toujours aucun. Il n'y a jamais eu aucun problème. Jamais. Donc ça a précisé quand même, donc je trouve ça vraiment dommage. De toute façon, on va suivre ça de très près, hein. On va pas il faut vraiment nous donner les infos, les actus. On peut suivre sur Internet aussi, il y a une page Facebook, hein, la grotte de Saint-Tri. Une chaîne YouTube, il y a un programme qui est super bien fait, il y a un site internet aussi comme lasco.com, donc lascau.com.
On peut tout voir parce qu'à chaque fois il y a des petites vidéos, des petits teasers. Enfin, c'est super bien fait, moi je trouve. Mais vous êtes ouvert, tous les week-ends, c'est ça? Non, nous sommes pas ouverts tous les week-ends, justement parce que. Comment on peut faire pour vous, pour s'y rendre là, là, pour aller vous voir? Vous pouvez venir nous voir les mardis. Les mardis. Les jeudis. Les jeudis, c'est les activités avec les enfants, c'est oui, ça? Oui, oui, sauf que nous sommes ouverts du matin au soir. Du matin au soir, d'accord. Histoire de montrer les expositions qui défilent dedans. Et faire connaître bien notre projet, parce que c'est notre projet est basé sur une idée des sociétés qui est plutôt solidaire, dans laquelle on invite les acteurs locaux à participer. Donc, c'est comme ça qu'on s'est créé. Là, bon, si on parle un peu du programme. C'est ce qu'on voulait voir. Est-ce qu'il y a des concerts, des artistes qui vont s'y produire? Voilà, le concert, en fait, c'est une fois par mois. C'est, on va dire. D'accord, c'est un concert mensuel, ouais. Ouais, voilà, une fois par mois, parce que c'est beaucoup de travail préparer un concert et contacter des artistes originaux. On cherche toujours une pièce rare, quelque chose qui est pas forcément pas du déjà vu. La population vient, les gens qui habitent à Saint-Tri. Oui, justement. Les habitants de Saint-Tri. Notre public, on va dire, entre guillemets, notre clientèle, si vous voulez, ce sont des gens majoritairement saint-triens, Corbeil-Essonneurs, Morsan-sur-Seine, Saint-Pierre-du-Péré, Saint-Germain-les-Corbeils. Ouais, toutes les villes voilà. Courcouronne oui, aussi, moi j'en connais, hein, j'y suis allé plusieurs fois avec des personnes. Bien sûr, parfois il y a des compagnies qui viennent de Paris. On a des Parisiens. On en a beaucoup de Paris. Hein. Il y en a ouais, en plus, l'association travaille avec plusieurs communes aussi dans l'Île-de-France. Il y a beaucoup de partenariats. Il y a énormément de partenariats. Il y en a beaucoup. Ça fait 10 ans qu'on fait des partenariats avec les communes en Essonne, en Île-de-France. Hein. Ouais. Moi qui suis musicien, je trouve que la sonorité dans les caves et dans les grottes, c'est absolument magnifique pour les concerts. C'est comme les caves de Paris, les caves de jazz, c'est exactement la même qualité que dans les caves de jazz qu'il y avait il y a très longtemps, hein, mais il y en a encore quelques-unes, mais au niveau qualité sonore, et puis il faut voir aussi l'aménagement, les lumières, à chaque fois c'est extraordinaire, à chaque fois c'est un décor complètement différent. Et c'est pour ça qu'il faut absolument y aller. Je me dis, est-ce que tu connais les grottes de Lascaux? Je dis oui, mais moi, pour moi, les grottes de Lascaux, c'est en Dordog et il y a des dessins sur les murs. Mais nous, on n'est pas dans le X, c'est pour ça qu'il n'y a pas le X. On va voir un peu la programmation, parce que vous avez une programmation super riche. Hein, quand tout même. À fait, oui. C'est beaucoup de travail organiser une programmation en dehors de notre temps de travail. Hein. Il faut dire qu'en tant que bénévole, c'est chaud. Mais bon, on a réussi à faire quand même quelque chose. Donc on s'est relié, on est toujours sollicité, les tissus associatifs sont toujours sollicités par les événements nationaux, donc on a adhéré à la Semaine Bleue, on participe à ces concours d'originalité, pour créer un événement dédié aux majeurs. Donc pendant toute la semaine, déjà ce soir ça commence avec le Vinyl Club. Il faut dire qu'à la grotte, nous avons une platine vinyle de fabrication maison. C'est un ampli à ampoule. Une technologie ancienne. Ouais. Et cette platine, elle est unique dans le monde. Hein, on connaît le fabricant. Et le son est vraiment magnifique. Donc, on invite les majeurs à venir avec leur vinyle de jeunesse, hein, s'ils l'ont encore, et venir les écouter dans cette platine et échanger, participer, discuter, et bien passer un moment convivial autour de la musique de notre temps. Pendant la Semaine Bleue, il y aura aussi un atelier de peinture que j'animerai moi-même en tant que peintre. Il y aura aussi un atelier de photo numérique le vendredi 16, animé par un photographe professionnel. Tout ça, c'est entrée libre et gratuite, dans la limite des places, bien sûr, disponibles. Et le vendredi soir, on termine en grand, là, avec un concert du trio Kapla, Musique Zen. Et ce sont des musiciens inspirés, passionnés, qui mélangent les reflets chauds de la musique zen et les rythmes colorés de l'Afrique, non? Donc voilà, le trio Kapla. Et on propose pour la même occasion un dîner fait maison, bio,
de la main d'une artiste de la cuisine. Ce dîner, c'est un plat de mafé. Hein? Et ben pour sceller cette interview, redites un numéro et où est-ce qu'on peut vous trouver? Bah, vous pouvez nous trouver sur le site lascaux.com, lascaux106. Ouais. On peut même taper lagrotte.lascaux.com. Ouais. On peut aussi nous appeler pour réserver pour le dîner ou pour le concert au 06 24 59 24 29. Ouais. Et bien, quoi d'autre? Il y a la page Facebook où on peut retrouver aussi la pétition, oui, même sur exact, le site. Oui, n'hésitez pas à aller voir, à soutenir hein, pour tous ceux qui veulent oui, garder ce lieu. Un comité soutien ouais. qui s'est formé après la première discussion ouais. avec la mairie, qui ce groupe de soutien a proposé une pétition. Donc, on l'a publiée, on l'a signée dans l'espoir que ça fasse changer un peu les états d'esprit autour de ce sujet. Que vraiment ça fait un peu grincer, surtout parce que nous avons donné une très bonne réputation au village, parce que il faut dire que Saint-Tri c'est un petit village un peu dortoir aussi, non, parce que c'est reculé, il y a pas de train, il y a pas presque pas de bus, il y a des vieux, il y a beaucoup de personnes âgées, il y a des belles maisons, tout ça, c'est un village très mignon. Et juste pour revenir sur les vinyles, je vois qu'il y a de plus, ils recommencent à en vendre des vinyles, quand j'ai vu ça m'a intrigué. Ah oui, mais je trouve que le vinyle a une qualité sonore nettement supérieure au CD. Bien sûr, ah, c'est évident, c'est beaucoup. C'est un plus diamant de toute façon. Une amplitude sonore incroyable, oui. Mais il faut venir voir la collection. Nous avons une collection de vinyles. On a 2000 vinyles à peu près de toutes les époques. Hein. 91.